Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Actu. Tout de suite, les titres. Le ministre du Travail, François Rebsamen, a signé mercredi une convention emploi avec les promoteurs du projet Village Nature. Quelles seront les retombées pour notre secteur? Combien d'emplois vont être créés? Réponse dans ce journal. La fusion des intercommunalités toujours sur la table. Vendredi, la préfète de Seine-et-Marne devrait rendre public son avis sur la question. Les avis sont partagés. Nous sommes allés prendre la température au Val-Maubuée. Enfin, c'est l'été, vous allez peut-être confier vos enfants à des animateurs en centre aéré ou colonie de vacances. Nous avons suivi des stagiaires BAFA dans la dernière ligne droite de leur formation. 4500, c'est le nombre d'emplois directs, indirects et induits qui devraient être créés à terme par le projet Village Nature. Ce mercredi, le ministre du Travail, François Rebsamen, était à la préfecture de Melun pour signer une convention emploi avec les promoteurs de ce futur pôle touristique copiloté par Euro Disney et Pierre et Vacances. Le site, inspiré du concept des Center Parks, ouvrira à l'été 2016. 1000 embauches sont prévues pour mener à bien le chantier. Par la suite, environ 1600 emplois directs seront générés par Village Nature. Les Seine-et-Marnais, eux, ne seront pas plus privilégiés que les autres dans le cadre des recrutements. Mais à l'image du parc voisin de Disneyland, l'impact pour l'économie locale devrait être énorme. Il est évident que ça devrait favoriser l'emploi local. Je vais simplement donner d'ailleurs une comparaison. Lorsque Disneyland Paris a ouvert en 1992, environ 35% de ses employés à l'époque habitaient la Seine-et-Marne. Aujourd'hui, il y a 75% des emplois de Disney, de Disneyland Paris, qui sont domiciliés en Seine-et-Marne. Rendez-vous maintenant en septembre pour la symbolique pose de la première pierre. Le recrutement, lui, débutera environ 9 mois avant l'ouverture du site prévu en juillet 2016. Pont-au-Combo fait figure de bon élève en matière d'accessibilité des transports publics. La ville vient de recevoir le deuxième prix de l'innovation en la matière. La raison, un microbus que la commune met à disposition des Pontellois mobilité réduite qui souhaitent se déplacer. Le véhicule compte 9 places et roule du lundi au vendredi sur réservation. Un déplacement coûte aux alentours d'un euro seulement. Une centaine de Pontellois bénéficient déjà de ce service. Les agglomérations de demain sont à l'étude dès maintenant. La préfète Nicole Klein devrait proposer ce vendredi de marier ensemble le Val d'Europe, Marne et Gondoire, Marne et Chantraine, le Val-Maubuée et la Brie francilienne. La loi impose une fusion au plus tard le 1er janvier 2016 pour former de nouvelles agglos d'au moins 200 000 habitants. On a déjà parlé sur notre antenne de Marne et Gondoire qui voudrait rester seule et de la Brie francilienne qui souhaite fusionner avec le Val-Maubuée. Justement, du côté de l'ancien San, quel est le ton? Le président est prêt à fusionner, mais il demande plus de temps, environ une année de réflexion supplémentaire. Ce qui rend ce dossier complexe, mais enfin pas que pour nous, pour l'ensemble des collectivités concernées, c'est d'abord l'examen des compétences. Quelles compétences sont exercées par chacune des agglomérations? Et au-delà des compétences, également, quelles définitions intercommunautaires ont été données à ces compétences? Par exemple, toutes les intercos ont la compétence développement économique, c'est obligatoire. Par contre, est-ce que le commerce de proximité est inclus ou pas dans cette compétence? Chaque agglo peut avoir sa propre réponse. C'est là le grand défi de l'harmonisation entre les futurs mariés. Après avoir regardé ses voisins et étudié leur situation, le Val-Maubuée s'imagine bien avec la Brie francilienne et Marne et Chantraine. Mais voilà, l'agglo de Chelles qui vient de passer à droite préférerait, elle, s'allier à d'autres, notamment Marne et Gondoire et le Val d'Europe. Ça ne vous aura pas échappé. Vendredi soir, l'équipe de France de football affrontera l'Allemagne en quart de finale au stade Maracana de Rio. Un coup d'envoi à 18h que vous pourrez apprécier chez vous, dans un café ou sur écran géant si votre commune organise la soirée. Sur notre secteur, 4 communes se mettent au rythme brésilien. À Torcy, l'association Alot projette le match dans l'ancien local technique de la mairie dans le quartier de l'Arche-Guédon. À Roissy-en-Brie, on remet ça comme lundi soir dans la grande halle de la ferme d'Aillot où les fans de Paul Pogba seront évidemment présent. Du côté de l'ANI, c'est à l'espace Charles Vanel que les supporters seront attendus et à Collégiens, vous pourrez encourager les Bleus dans la salle du Conseil. On a vu hier les enjeux du sport, les intérêts physio-psychosociaux
du sport. Ils ont entre 17 et 20 ans et les voilà de retour en cours. Du 28 juin au 4 juillet, dernière ligne droite pour ces 14 stagiaires qui sont accueillis à la base de Vers pour la validation de leur BAFA. Ici, deux spécialisations sont proposées, cirque ou multisport. Ce matin, le groupe multisport passait en revue toutes les activités sportives individuelles et collectives. Et vous allez voir qu'on en connaît un sacré paquet. On connaît beaucoup. Pendant ce temps, l'autre groupe écoutait attentivement les conseils de leur monitrice sous le chapiteau. Vous êtes deux animateurs, vous les faites tourner. Paf, je sais pas, je mets une petite musique, tout le monde tourne. On a vu tout ce qui est aspect sécuritaire, parce qu'évidemment, quand on est cadre en multisport ou en cirque, il y a des aspects à pas négliger, notamment avec des enfants en bas âge. Donc du coup, voilà, on revoit un peu tout ça et on approfondit un peu plus que ce qu'on a pu voir en amont. Après la théorie, place à la pratique. Pour le groupe cirque, c'était atelier jonglerie. Et la partie n'était pas gagnée pour tout le monde. Du côté des multisports, on revoyait les grands classiques comme la balle aux prisonniers ou encore le jeu de la tomate. Malgré ses apparences bon enfant, en tout, 4 semaines d'apprentissage et environ 1000 euros sont nécessaires pour tenter d'obtenir son BAFA. On a beau entendre dire ici et là, le diplôme BAFA est accessible à tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Tous les jeunes ne sont pas diplômés BAFA aujourd'hui. C'est une démarche personnelle, un investissement en temps, un investissement financier. Il y a également les critères qui sont propres à chaque stage. Bien évidemment, il y a l'assiduité, la présence active, l'investissement, l'implication du stagiaire dans sa formation. Des qualités bien précises que recherchent les centres de loisirs et les colonies de vacances pour encadrer vos enfants cet été. Après le JT, retrouvez une nouvelle émission d'été, la Jam. Le concept est simple, deux musiciens du coin se rencontrent pour la première fois sur notre plateau pour une session improvisation. Cette semaine, ce sont les guitaristes Aurélien Bouly et Geoffroy Draomé qui se prêtent au jeu. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info locale vendredi soir. Vous pouvez retrouver tous nos programmes au www.canalcoquelicot.fr et n'oubliez pas de liker notre page Facebook. Salut !